Chers amis, nous sommes le cinquième dimanche après la Pentecôte. Dimanche prochain, nous fêterons solennellement Saint-Pierre et Saint-Paul. Cet après-midi ont lieu les ordinations de Vincent Van Gert et de Louis Tommaso à 15h30 à la cathédrale. Pour cette raison, il n'y aura pas de vêpres à 18h à la chapelle. Samedi prochain, la messe de 11h aura lieu à 10h. Il y a quelques autres modifications. Vous êtes priés pour d'en prendre connaissance en consultant la feuille d'annonce que vous pouvez saisir à la fin de la messe, mais que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de la paroisse. Les inscriptions au catéchisme pour l'année 2021-2022 se font en ligne via le site de la paroisse. Pour le scoutisme, il reste quelques places dans les unités. Merci de contacter les chefs de groupe dont les coordonnées sont sur le site de la paroisse. Des scouts vendent des gâteaux sur le parvis. Merci d'avance pour votre générosité pour eux. Alors pour le service de messe maintenant, même ceux qui sont déjà inscrits sont priés de se réinscrire via le site de la paroisse pour l'an prochain. Sous l'égide de l'abbé Laignelot aura lieu une route d'été pour les étudiants 18-25 ans à Lourdes et dans les Pyrénées. Les détails de cette route sont sur les affiches qui sont au fond de l'église. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, le Seigneur, dans l'évangile d'aujourd'hui, se fait très restrictif avec nous. Il nous impose qu'aucune parole mauvaise ne sorte de notre bouche. Saint Paul, dans la lettre aux Éphésiens, complète le Christ en disant « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche, mais s'il y en a besoin, dites une parole bonne et constructive, bienveillante pour ceux qui vous écoutent. » Éphésiens 4. Le Seigneur Jésus promet des châtiments terribles à ceux qui auront insulté leur frère. Celui qui se met en colère contre son frère est passible du jugement. Il pourrait très bien être puni comme celui qui tue son frère. C'est le même châtiment dont ils héritent. Ceux qui tuent et ceux qui se mettent en colère contre leurs frères. Imaginez donc un petit peu la sévérité du Seigneur dont il faut prendre acte. Ensuite, le Seigneur Jésus nous dit que celui qui dit « raca » à son frère, qui a été traduit ici par « imbécile », est passible du Sanhédrin. Alors le Sanhédrin, c'était une cour d'appel. Normalement, on était jugé dans les tribunaux de province. Mais quand on était mécontent du jugement qu'on avait reçu, on pouvait faire appel. À ce moment-là, on était jugé par 71 notables qui siégeaient à Jérusalem. Et leur assemblée s'appelait le Sanhédrin. Et ce n'était pas des tendres. Celui qui dit à son frère, troisième élément du discours du Seigneur, mécréant, sera passible de la géhenne de feu. La géhenne, c'est le nom hébreu d'une vallée qui borde Jérusalem par le sud et en laquelle étaient brûlées les ordures ménagères. C'est dans cet endroit aussi qu'avaient eu lieu les sacrifices d'enfants à l'époque des rois. Et le Seigneur Jésus très naturellement prend cette image de la géhenne pour parler de l'enfer. C'est ainsi qu'il parle de l'enfer. Il l'appelle géhenne. Il l'appelle géhenne de feu. Le Seigneur menace de l'enfer celui qui dit à son frère mécréant, qu'on aurait pu aussi traduire par fou. Il faut nous méfier quand nous traitons quelqu'un de fou, parce que nous l'excluons de la société des hommes. Oh, t'inquiète pas, il est débile, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas de ce qu'il raconte, voyez. On le tue en quelque sorte par notre parole. De même qu'une parole fit vivre le monde, cette parole créatrice au début de l'histoire des hommes, au début de l'histoire du monde, on peut imaginer que d'autres paroles sont capables de tuer. Et pour cette raison, elles méritent de grands châtiments.
dont le Seigneur nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui. J'en viens au deuxième élément du discours du Christ, à ce raca. Je regardais en latin tout à l'heure comment Jérôme avait décidé de traduire cela. Il dit « Qui autem diceretur fratri suo raca ». Raca. Autrement dit, Jérôme a translittéré l'insulte hébraïque. La littérature juive présente très peu d'occurrences de ce mot raca, de cette insulte. Du coup, Jérôme et nous aussi sommes incapables d'en déterminer le sens, puisqu'il y a très peu d'occurrences de ce raca dans la littérature juive. Et donc, par honnêteté, Jérôme a décidé de translittérer, de ne pas savoir. Vous voyez, il a mis raca. Et cela convient parce que raca sonne très méchamment. On comprend que c'est une insulte, raca, que c'est quelque chose de violent, que c'est même un gros mot très certainement. Alors le Seigneur promet le Sanhédrin pour celui qui insultera ainsi son frère. Dans les Écritures, on entend que notre parole peut être poignard. On entend encore « ils dardent leur langue de vipère ». On peut faire très mal avec la langue, de même qu'on peut faire énormément de bien. Le Seigneur nous met en garde. Alors, essayons de prendre acte de ces interdictions, car il pourrait très bien nous arriver ce dont le Seigneur nous menace. Alors, il y a quelque chose d'autre dans ce raca. Comme je vous le disais, cela sonne comme un gros mot. Le Seigneur ne veut pas que nous nous insultions les uns les autres, mais que nous disions des gros mots également. Pourquoi est-ce que c'est un péché que de dire un gros mot? Parce qu'à ce moment-là, nous secouons le joug de la croix que le Seigneur, dans sa providence, a voulu laisser reposer sur nous, a voulu mettre sur nos épaules. Vous voyez, on dit une insulte comme pour échapper à ce qui nous arrive. Donc c'est une insulte à sa providence. Nous contrarions son projet. Dire un gros mot, c'est dire non, finalement. Le Seigneur nous commande de ne point nous insulter les uns les autres, mais de nous garder de tout gros mot pour demeurer dans la louange. Je me souviens d'un conscout, je n'ai vu ça qu'une fois, mais je trouve que cette pratique est belle, où les cheftaines ordonnaient à leur louveteau qui venait de dire un gros mot de dire une louange à Dieu juste après, pour réparer ce qu'il venait de faire, ce qu'il venait de dire. Donc, vous voyez, par le gros mot, on échappe à la louange, on la contredit, on se met en enfer en quelque sorte. Le Seigneur voudrait que nous restions cléments dans la louange de sa providence. Et à ce moment-là, nous sommes capables de voir la gloire qui se cache dans les croix auxquelles nous adhérons. Si nous essayons d'asperger d'un peu de louange ce qui nous arrive de compliqué, très vite, nous percevons une lumière au milieu des croix auxquelles nous essayons d'adhérer. Maria Sima, cette Autrichienne, vous savez, qui fut visitée par les âmes du purgatoire, fut interrogée sur la fin de sa carrière de prière pour ses âmes, sur les péchés qui étaient les plus sévèrement réprimandés en purgatoire. Et elle commença par dire « médisance ». Et puis elle donna une liste de péchés qui sont presque tous des péchés de parole, médisance, calomnie, etc. Donc le Seigneur n'aime pas du tout cela, vous voyez, que nous nous insultions les uns les autres. Le purgatoire, eh bien, nous pouvons en faire beaucoup à cause du fait que nous disions des paroles mauvaises, des paroles qui tuent. Maria Sima disait que, à l'inverse, quand nous ripostons par de la tendresse, par de la douceur, quand nous contredisons une insulte qui nous est faite par une bonne parole, quand nous répliquons par une parole bonne, eh bien, nous gagnons beaucoup de temps de purgatoire. Parce que nous pouvons mettre quelqu'un au paradis par le simple fait que nous avons été bons avec lui. Nous pouvons gagner son âme. Il se retrouve gros Jean comme devant. Il ne s'attendait pas à ce que nous lui répliquions de la tendresse et il peut changer de cap et prendre la direction du paradis. Quand on sauve une âme, eh bien, on gagne du temps de purgatoire. On sauve la sienne et on,
et on s'épargne beaucoup de purgatoire. Voilà l'enseignement de Maria Sima. Regardez le bon larron. Il n'a pas fait de purgatoire alors qu'il était larron. On n'était quand même pas crucifié pour rien. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Autrement dit, il n'a pas fait de purgatoire. Peut-être quelques minutes, on ne sait pas. Il a contredit, il a fait barrage aux insultes dont était aspergé le Seigneur de la part de son compère. Vous savez, il y avait l'autre larron qui insultait le Christ et le bon larron réprimande son confrère. Vous voyez, il fait barrage à l'insulte, barrage à la parole mauvaise. Et de ce fait, vous voyez, parce qu'il a, il s'est concentré pour que soit produite une belle parole, de ce fait, il est rentré au paradis directement. Alors, Maria Sima commença de recevoir les visites des âmes en 1940. C'était une fille courageuse qui n'était pas mariée et qui, un jour, elle avait 20 ans environ, a vu quelqu'un errer dans sa chambre. La réveillant de son sommeil, elle s'est jetée sur lui, vous voyez, pour le combattre, pensant que c'était un cambrioleur. Elle a brassé de l'air. Courageuse qu'elle était, elle est repartie se recoucher, vous voyez, plutôt que d'appeler la police. Puis elle est revenue, elle s'est relancée à l'assaut de cet être. Elle a à nouveau brassé de l'air. Le lendemain, elle s'en est ouverte à son curé qui lui a dit « La prochaine fois, ne demandez pas à cet être qui il est, mais ce qu'il veut ». Ce qu'elle fit la nuit suivante alors que cet être lui réapparaissait. « Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux que vous disiez trois messes pour le salut de mon âme. » Elle a compris que c'était une âme du purgatoire qui s'adressait à elle et elle a accédé à sa demande, elle a libéré cette âme. Par la suite, elle a parlé avec beaucoup d'âmes qui lui ont expliqué un petit peu pour quelles raisons nous pouvions faire de longs purgatoires. Alors que le Seigneur nous aide, vous voyez, à faire du bien plutôt que du mal par la parole. Parce que de même que nous pouvons gagner du temps de purgatoire, en faire beaucoup à cause de mauvaises paroles, nous pouvons nous en épargner beaucoup en disant de bonnes paroles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.